Bonjour Rachel. Bonjour Jacques. Alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que l'iridologie ? Alors, l'iridologie est une technique de dépistage qui permet, en regardant dans la partie colorée de l'œil, l'iris, de connaître notamment les prédispositions génético-pathologiques d'un individu. Donc, évidemment, un dépistage de santé. Et l'examen permet d'effectuer le dépistage d'autres facteurs très intéressants, c'est-à-dire les carences, l'étude du potentiel vital et énergétique, le dépistage des différentes donc, carences et déficiences pouvant mettre en jeu le potentiel vital, l'état et la nature des différents encrassements humoro-cellulaires d'origine iatrogène, toxinique, exogène, endogène. Voilà. Et bien d'autres facteurs, que ce soit sur le plan physique, que le plan mental, ainsi que la vitesse lente ou accélérée du vieillissement des cellules de l'organisme. Ok. Voilà. Et donc qui vient et pour qui vient te voir et pourquoi ? Alors dans un premier temps, j'ai souvent eu des thérapeutes, de la médecine évidemment holistique, par curiosité et par besoin aussi. Et depuis peu, j'ai des personnes lambda qui viennent me voir, mais je suis un peu la dernière roue du carrosse. On vient me voir quand la médecine ne peut plus rien faire pour eux. Voilà. Donc je suis un peu la personne qui va leur confirmer ou leur... leur faire découvrir que voilà, une paléontologie est comme ça par rapport à une autre. Et quel avantage tires-tu de l'iridologie, justement ? Alors, l'iridologie, pour moi, est une médecine qui s'appuie sur un support. C'est-à-dire que je fais donc l'interprétation, enfin le dépistage avec la personne. Et ensuite, l'interprétation, j'ai à peu près 1h30, 2h de travail ensuite, où j'étudie vraiment l'iris en long, en large, les colorations, les striments. Donc c'est un iriscope. Dans cet appareil, il y a deux petites lampes LED. Celles-ci déterminent la luminosité par rapport à l'iris. Elles ne doivent pas faire mal par rapport à ta vue. Et c'est là que je vais voir... Si je vois clair. Si tu vois clair. Voilà. Donc l'iridologie est une technique de dépistage de santé qui permet en regardant dans la partie colorée de l'iris de connaître notamment aux prédispositions génético-pathologiques, savoir ce que vos parents vous ont transmis. Donc je peux voir l'étude du potentiel vital et énergétique, l'état et la nature des différents encrassements humoro-cellulaires, d'origine exogène et endogène, c'est-à-dire ce qui vient d'alimentation et ce qui vient de l'environnement, le dépistage des différentes carences et déficiences pouvant mettre en jeu le potentiel vital et la vitesse lente ou accélérée du vieillissement des cellules de l'organisme et bien tant d'autres facteurs intéressants sur le plan physique comme sur le plan moral. Et je voudrais savoir aussi, que penses-tu de la médecine non conventionnelle ?
Alors, ces thérapeutes, tout simplement, qu'on trouve un peu partout au coin des rues. Eh bien, il y a de tout. Hein. Mm-hmm. Moi, je les appelle les thérapeutes gourous, quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui font, qui brassent de l'air. Mm-hmm. Hein. Ils se disent, je suis un tel, je suis un tel. Ils jouent énormément sur la détresse des gens, sur la souffrance, qu'elle soit immorale ou physique, et là, je ne suis pas d'accord. Avant de faire ce métier-là, j'étais dans la médecine vraiment intégrative. Ensuite, je suis tombée donc dans la médecine holistique, car l'iridologie a toujours été une passion. Mais ce que je rencontre autour de moi ne me plaît pas du tout. Mmh. Voilà. Il existe aussi des salons de bien-être. J'y vais en tant que visiteuse. Mmh. J'ai été incitée plusieurs fois justement à faire des salons de bien-être. Mais ma place n'est pas là. Mmh. Parce que je ne peux pas m'associer à des gens qui... pas que je ne croie pas leur... ce qu'ils font. Mmh. Hein, mais voilà, moi je suis très cartésienne. Je ne vais pas dire que je crois ce qu'on me dit, mais... parce que j'ai quand même une ouverture d'esprit qui est assez... qui est large. Mais bon, non, je ne peux pas octroyer... je ne peux pas me mélanger à ces gens-là. Mmh. Hein. Mais voilà, je ne les critique pas non plus, mais je ne me mélange pas. Comment te contacter et où te trouver tout ça? D'accord. Alors, je dépends du... Enfin, j'ai mon cabinet déjà ici au Val. Mmh. Hein. Donc, on peut me contacter via Facebook, dans l'annuaire du thérapeute. Je diffuse aussi souvent des cartes sur les réseaux sociaux. Mmh. Et j'ai aussi un... je dépends aussi du centre Namazen, hein, où j'ai aussi mon cabinet, qui se situe à Roquebaron. Okay. Voilà. Très bien. Ah, merci beaucoup, Rachel. Merci à toi.